YouTube, je t'avais pas entendu arriver. Que fais-tu de beau dans le coin? Ah, tu es peut-être revenu voir où j'en étais de mon arrivée sur le serveur. Ah bah écoute, comme tu peux voir, bah là je suis en pleine construction, hein. C'est encore un peu le bordel. Je commence tout juste ma construction. Donc bon, je vais pas avoir grand chose à te montrer pour l'instant. Bon, bah si tu veux quand même, je peux te faire un petit tour de ce qui est actuellement réalisé. Bon, bah là, tu vois, je suis en train de... je commence à poser les fondations, etc. Bon, tu m'excuseras, c'est un petit peu le souk, hein. Bah écoute, comme je sais que tu enregistres tout le temps, bon, merci de me prêter ta caméra. Je te montre un petit peu tout ce que j'ai fait là actuellement, et puis bah je stoppe l'enregistrement et puis je le reprends hein, comme on fait habituellement pour te montrer mon évolution. Voilà, bon, petite entrée, hein. Cobblestone pour l'instant, c'est juste pour se protéger des mobs, etc. Donc avec les petites lanternes, les nouvelles petites lanternes. Ouais, je vais fermer quand même au cas où. Donc là, une descente vers là, une grotte, hein. C'est une grotte, pas une petite grotte, une toute petite grotte, voilà, légèrement aménagée, avec de quoi dormir. Et oui, il y a deux lits, je ne suis pas tout seul. Et ça, vous le verrez peut-être plus tard. Donc là, bon, j'ai mis ça. Bon, ça, c'était pour montrer à ma. Oui, parce que c'est une dame, à ma colocataire, de petites fonctionnalités de Minecraft, hein. Parce que bon, ma colocataire. Connaît pas encore bien Minecraft, elle découvre. Mais c'est pas grave, hein, il faut. Oh là. Oh, t'inquiète pas, c'est le bruit de la chaudière. Mais c'est pas grave. Ah, réparer ça, hein. Va faire venir le chauffagiste et le plombier, peut-être. Parce qu'il y a des sales bruits dans les tuyaux sur Minecraft. Donc là, une mine, hein. Une simple mine, bon voilà, ça descend bien bas et ça mène aussi sur une mine que j'ai découvert. Donc une seconde entrée ici qui est en train d'être voilà, aménagée, hein. Donc ça c'est sympa, petit coin sympa. Et bon voilà, hein, comme je le désirais. Sur ma partie solo, c'est d'avoir un village à côté, et c'est exactement pareil. J'ai un village juste à côté. Bon, je me suis un peu éloigné quand même un peu plus pour pas les embêter. Hein. Bon, puis moi aussi, j'aime bien être tranquille hein, dans mon coin de campagne. Donc voilà, on a les villageois qui sont juste là, donc une grande plaine devant. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, je sais pas. On va aller revoir après, peut-être que je sais pas ce qu'il veut, c'est qui, c'est un villageois. Voilà, donc le village qui est juste là. Donc voilà, ça c'est sympa. Bon bah, comme tu veux pas de pommes, moi par contre je vais en manger une. J'ai un petit creux là, même deux, hein. Voilà. Bon. Qui c'est ça? Bon, je vais pas prendre mon épée en main quand même, hein. Je vais pas... Sait-on jamais, c'est peut-être un... Ah mais là! Ah non, c'est un... Waouh, secours! C'est un pilleur. Ah! Ok, bon. Je vais m'en séparer de... Viens là. Oui. Non, bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, il m'a lâché. Pouah, non, j'allais pas engager le combat contre lui tout de suite, quoi, non. J'ai pas envie de... J'ai pas envie de d'avoir des problèmes avec les voisins, moi. Bon, bah écoute YouTube, je coupe l'enregistrement là, puis ben je reprends, je te montre un peu plus tard où j'en suis dans ma construction et si je trouve quelque chose, ben, je te le montre. Hein. J'allume la caméra, je te montre. Ah oui, si, oui, on a fait le petit champ. Tiens d'ailleurs, il est tout mûr là. Tout est mûr. Donc j'ai refait un peu pareil. J'aime bien, c'est rigolo. Les petites dalles qui font du bruit comme ça.
Donc voilà, on a refait la même chose que sur mon autre partie. Et voilà, bah écoute, donc je coupe, et puis dès qu'il y a quelque chose de nouveau, et ben je reviens vers toi, YouTube. Alors, comment je rallume ça? Alors, YouTube, ouais, c'est bon. Alors, regarde ça. Je t'ai fait une petite modif YouTube sur ton objectif. Regarde-moi ça, c'est quand même plus joli, non? Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Oui, bah voilà, j'ai installé un shader avec Optifine, bien sûr, qui optimise les FPS dans Minecraft. Ah, comme ça, on peut faire un petit zoom aussi avec le raccourci C par défaut, hein, sur Optifine. Voilà, comme ça, je vois mes petits moutons. On a vu qu'il y avait un pilleur qui traînait dans le coin. Et voilà la petite maison presque terminée. Je dirais presque parce que bon, il y a encore j'ai encore là, une partie à l'arrière à faire. Donc voilà. Hein, je vous fais le tour. Donc là, je commençais à planter des petites baies comme ça. Ça, c'est une nouvelle baie dans Minecraft. Hein. C'est fort sympa. En plus, on peut les récolter. Voilà. Hop, et ça se mange, bien sûr. Pourquoi je peux pas la manger là? Ah. Bon, d'habitude, normalement, ça se mange. Là, je peux pas la manger. Bon. C'est pas grave. On va mettre ça là. Je vais mettre la lumière ici. Il faudra que je me refasse quelque chose en éclairage ici. Donc voilà. Et c'est cette partie-ci que je n'ai pas encore fini. Je vais faire un. Voilà. Je sais pas encore vraiment, mais. Bon, j'ai une petite idée, mais bon. Je verrai si ça fonctionne. Alors, on va rentrer par l'entrée principale. Hein, ça sera plus sympa. Donc là, c'est le petit escalier qui donne sur le dessous, hein, sur la petite grotte en dessous, qui sert encore un peu d'atelier, on va dire. Donc voilà comment ça se présente. Donc la petite pièce, on va dire un peu cuisine. Donc là, bon, c'est pas encore vraiment bien établi. Bon, ça, oui. Mais sans bon, ça. Ah bah, là, ah bah oui, j'avais fait cuire un tas de viande. Donc là, on va en mettre un petit peu ici, hein, quand même, pas prendre tout ça sur soi, c'est pas la peine. Déjà, je vais reprendre 10, c'est déjà pas mal. Alors, comme vous pouvez voir, ouais, j'ai du quartz du Nether. Ah oui, je suis allé quand même dans le Nether. Parce qu'il fallait que j'y aille pour fabriquer quelque chose que je vous montrerai par la suite. Peut-être pas dans cette vidéo. Donc là, c'est tout un coffre un peu à n'importe quoi. Tout ce qui m'a servi un peu pour la construction. Et autre. Bon, là, une porte arrière. Hein. Donc, faut que j'aménage encore la partie arrière. Bon, la petite culture avec une petite maison qui est en cours de construction. Qui devrait pas tarder à être terminée. Toute simple. Hein. Donc là-bas. L'accès à cette petite grotte. Donc il n'y a pas eu trop de changements depuis le début, je crois, hein. Depuis la dernière fois. Peut-être un petit changement, c'est qu'ici, là, il y a un accès pour aller à droite. Donc voilà. Donc je vous montrerai ça la prochaine fois. Bon, ici c'est pour une future vermine, une seconde mine certainement qui n'est pas encore finie de creuser, bah, qui n'est pas creusée. Hein. C'est vraiment le début. Donc là, la table d'enchantement qui était mise ici, théoriquement, elle devrait rester ici. Théoriquement, donc ici encore une zone peut-être un peu aménagée, etc. On verra bien. Et donc ici, voilà comment ça se présente. Ça fait une petite partie avec deux pièces. Donc ici, bah voilà, ça c'est le coin où moi je viens quand je suis pas en bas. Et que je suis pas loin de cette pièce-là, bah c'est ici que je vais passer la nuit. Donc voilà, petite pièce ici. Je vais remontrer après, on va revenir après. Donc là, je vais replacer des petites torches. Tiens, justement, j'ai pas de métal là sur moi.
Non, j'ai pas de métal, sinon j'aurais refait. Donc voilà, ici c'est notre pièce à peu près dans le même style, hein. Bon, qui n'est pas encore aménagée. Et donc, je vais vous montrer. Ah oui, là c'est la partie. Donc, je n'ai pas encore fini ici. Voilà. Hein, donc, vous voyez, vous pouvez voir. Avec la petite culture là à côté. Voilà. Mais je n'ai pas encore fini ça. Bon. Alors, voilà. Je pense peut-être faire une espèce de petit tour, quelque chose comme ça. Peut-être. On va voir si ça marche bien. Si ça s'intègre bien. Et donc ici, l'accès à l'étage. Ah oui, c'est vrai que j'avais pas refermé ici. Hop, voilà, c'est refermé. Et donc voilà, belle petite vue, hein. Belle petite vue aux alentours, fort sympa. Avec le shader, ça rend extrêmement bien. Donc là, j'avais pas, je la laisse encore la table. J'ai pas encore vraiment. Je sais pas, je sais pas si je vais laisser comme ça. J'ai peut-être encore une petite finition à faire sur l'étage, sur le haut. Donc voilà. Donc c'est vraiment sympa. Très très belle vue. Alors, voilà pour ce qui est de l'intérieur de la maison. Ça va, je la trouve pour une première. Bon, ça va. Hein, ça pouvait être pire. La nuit va bientôt arriver. Voilà, ça rend vraiment extrêmement bien avec les shaders. Je pense que YouTube, tu vas aimer cette petite modification. Bah, j'espère du moins. N'hésitez pas à me le dire si vous trouvez ça. Si vous trouvez ça sympa, avec les nuages et tout, c'est vraiment beau, hein. C'est vraiment très très beau. Voilà, et une autre petite chose aussi. Bon, là, je vais pas tout montrer, hein. Montrer qu'une partie, tu vois, là. Voilà, toute cette partie-ci, bon, je vous montrerai ça voilà, la prochaine fois. Je vous montrerai tout ça. Alors, aussi, ce que j'ai découvert, juste. Oh là, oh, c'est dangereux ça. Ça, c'est très dangereux. On va reboucher un peu là. C'est justement ça ce que je voulais vous montrer, mais pas de cette façon. Alors, est-ce qu'on a ici? Bon, je vais faire passer la nuit après. Voilà. Ici, juste à côté. Mais enfin, vraiment, c'est vraiment sous la maison tout ça, hein. C'est une bonne partie qui est sous la maison. Une énorme cavité là. D'ailleurs, voilà, là les creepers. Vraiment une énorme cavité, il y a plein de grottes de partout. Bon, allez, je vais faire passer. Oh, un Enderman, mais c'est pas possible. Bon, c'est pas grave, je regarde pas, ça va, mais bon, suffit d'un mauvais regard, hein, puis aïe, quoi, c'est fini, quoi. Alors, on va passer par le petit jardin. Voilà, vous pouvez voir, petit jardin, là, puis petite maison. Bon, il reste encore la toiture à finir. Puis c'est tout, quoi. Donc voilà, c'est vraiment. Vous voyez, c'est un petit peu aménagé avec des petits buissons, etc. J'aime assez, franchement. Voilà, regardez-moi ça. Cette vue. Donc voilà, donc je suis établi sur le serveur. Et c'est bon, c'est parti pour cette fois-ci pour l'aventure. Pour l'aventure Minecraft sur ce serveur-là. Hop, celle-là. Et donc,
comme était le principe dans cette série, je m'étais donné un petit truc, un petit pitch supplémentaire. Ah, il y a du. Ouais, voilà. Ils sont combien là? Oh là, ils sont plusieurs là. Ah, ils sont vraiment plusieurs. Je m'étais donné un petit truc en plus à faire, c'est de poser un cube Minecraft. Alors, on va prendre de la terre pour ce premier cube. Mais bon, je vais pas faire un cube basique. On va faire un petit truc avec une petite forme spécifique. Et je pense que la zone par là, où je vais, là, tout droit, là, par là, elle peut être fort sympa. Parce que ça, c'est. Il y a de la place. Il y a de la place. Puis il va me falloir pas mal de place, je suppose, pour poser tous les différentes matières de Minecraft, bah, du moins toutes celles qui peuvent être posées. Donc je pense qu'ici, je tiens une belle zone, hein. Je tiens une belle zone que je pourrais peut-être aménager au fur et à mesure. Et je pense qu'ici déjà, ça pourrait être sympa, quoi. Allez, je vais déjà retirer un peu toute cette partie de terre là. Voilà, ma pioche, elle va bientôt casser. Cassé. Bon, c'est pas grave. Ici, je pense que j'ai suffisamment de place pour le faire. Bon, c'est un bloc de terre là pour représenter Minecraft, hein, l'un des premiers blocs que l'on utilise. Alors, on va faire une petite construction un peu comme ça. Ça, voilà. Ah non, pas toi. Voilà. Alors, ça, comme ça, comme ça. Et voilà. Nous voici avec un cube. Avec un cube Minecraft. Tout simplement. Allez, on va faire un petit. Hop, voilà. Donc voilà, c'est ici que se termine cet épisode sur la pose du premier poste en cube sur cette aventure survie Minecraft. Je vous dis. À bientôt pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter. Salut!